Yo les gens, ici Rafi, c'est la 7250. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de Funko Pop. Donc je viens de recevoir un colis ce matin qui vient de Pop Culture. Donc je voulais continuer dans les collections. Donc là au moins j'ai terminé une collection que j'avais commencé. Donc je vais vous montrer le colis. Donc c'est le colis comme je l'ai reçu. Donc la Pop est arrivée particulièrement avec une particularité, ce colis. Donc vous allez voir, je vous montre. J'ai commandé une Funko Pop. Mais Pop Culture m'a envoyé une boîte vide pour caler mon colis. Vous voyez, j'ai deux boîtes de pop. Donc voilà. Donc j'ai une pop qui est pleine, donc une boîte pleine. Hein. Donc c'est un peu assez difficile à ouvrir. Hop, attendez, faut que j'arrive à l'attraper au moins. Oh merde. Faut pas l'attraper entre les deux. Donc voilà. Faire comme ça. Donc la boîte vide. Donc j'ai envoyé. Du coup, ils m'ont envoyé la boîte vide de Sister Location. La collection Game. C'est un truc. Ça doit être un jeu vidéo. Donc, je connais pas du tout Sister Location, dites-moi si vous connaissez. Donc les pops sont assez bizarres, on croirait des sortes de robots, animaux. Vous voyez, ça fait ça, c'est une boîte vide. C'était pour caler ma pop. Donc je vais vous présenter la pop. Donc c'est une pop qui est une collection que j'ai finie enfin. Donc c'est la numéro 68 de Fairy Tail Lucy. Donc celle-là j'ai un peu de mal à la trouver, donc du coup j'ai trouvé. Je l'ai commandé sur Pop Culture hein, pour la voir facilement. Donc voilà, franchement elle est magnifique, c'est un numéro 68. Dans cette collection, il y avait Natsu et Happy. Donc Happy, pour rappel, j'avais acheté la version Floquet sur Pop Culture également. Donc c'est la version Floquet, par contre, on n'a pas le logo Floquet. Et j'avais commandé sur EMP Natsu. Voilà, vous voyez, c'est Natsu Dragneer. Et là j'ai eu Lucy Artphilia, donc je pense que c'est ça, c'est Artphilia. Donc je vous présente cette pop, donc c'est parti. Donc comme je vous dis, hein, c'est la numéro 68, dans la collection on avait la 67 Natsu, on a Lucy la 68 et Happy la 69. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir pour vous la présenter. Donc il y aura sûrement aussi peut-être une autre vidéo demain parce que je vais voir à Nose, vous savez, il y a un site qui était pas mal. En plus celle-là, oui, celle-là, si je me trompe pas, elle a un socle. Tout ce qui est pop féminin, souvent ils ont des socles, si je me trompe pas. Je vais me dépêcher, hop, voilà. Ah, elle est magnifique, elle est trop belle. Ah, elle est belle. Ah, elle est trop belle, franchement. Elle a aucun défaut, je pense pas, non. Non, bah voilà, la petite pop de Lucy. Ah, elle est belle, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez avec son petit lasso ici, là. Et là, elle a une clé de constellationniste, voilà. Constellationniste. Donc, elle, c'est un mage de Fairy Tail, mais constellationniste. Donc quand Natsu c'était un chasseur de dragons, vous voyez. Donc deux faces, hop. Deux côtés, deux dos, et de l'autre côté. Après on voit bien qu'il y a... Alors je sais pas si vous allez voir, il y a un trou sous le pied pour mettre le socle. Vous voyez. Il y a un trou sous le pied pour y mettre son socle. Donc les socles, pour ceux qui ne savaient pas. Donc toute pop... Bah, je viens de faire tomber, c'est trop bien, nickel. Donc ça va, c'est du plastique. Hein. Toute pop qui est féminin, vous avez pas toutes, mais vous avez un socle qui est ici. Donc il y a beaucoup de gens qui savent pas. Hein. Le socle se trouve ici, sous la boîte. Voilà. Et vous avez votre socle pour poser votre pop. Donc est-ce qu'elle tient normalement? Ouais, normalement sans socle elle tient. La pop elle tient sans socle. Mais avec le socle, ce qui permet de la faire tenir mieux. Donc je vais mettre son trou. Attendez, je vais mettre. S'il veut bien y aller. Là, il y a un sens pour le mettre. Non, non, ça va. Donc voilà, c'est avec son socle, ça fait ça. Là, elle a son socle. Et bah, ce qui permet de la faire tenir mieux, on va dire. Par contre, sans socle, ça tient. Franchement, ça tient. Donc voilà, donc je vais la ranger dans sa boîte. Hop. Donc franchement, je la trouve magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai commandé une autre sur Micromania, une que je trouvais pas. Hein. Donc c'était dans la collection Dragon Ball Super. Donc je vous la présenterai quand je l'aurai. Je préfère pas vous dire... Elle vous spoil la surprise. Donc demain je vais sûrement faire un tour à Nose, voir ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des pop apparemment à 7,99€, des anciennes collections, même du Star Wars, dans du Marvel. Pas Marvel mais je sais plus comment ça s'appelle. Civil War, voilà, Civil War, ils peuvent avoir ça en stock. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vu qu'ils avaient trouvé du Fast and Furious. Donc en espérant qu'ils aient du Fast and Furious, ce serait pas mal. Donc je la mets dans sa boîte. Et je vais la ranger. Donc ça me fait une petite nouvelle pop. Ça me fait ma 23ème pop à un moment où je vous fais la vidéo. Donc ça va pas mal, franchement, ma collection commence à augmenter. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo présentation de toutes mes pop maintenant. Je pense que la faire très prochainement.
Est-ce que je l'ai bien mis dans sa boîte? Non, c'est bon, nickel. Bah, elle est bien remise, hein. Vous voyez, c'est plus simple. Ah, franchement, à force, mais la boîte, en plus, elle est arrivée nickel. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire de cette boîte-là. Je sais pas encore. Donc, la pub, je l'ai payée, si je me trompe pas, j'avais un code promo. Donc, elle a été en tout avec ma frais de port plus commande. J'en étais à 10, 18 euros, je crois, ou 19 euros. Et j'ai eu 3 ou 4 euros avec un code promo. Je sais plus quel code promo que j'avais utilisé, mais j'ai eu un code promo. Alors, je sais pas si je l'ai encore dessus. Est-ce qu'il y a encore sur ma facture? J'ai vite fait. Non, c'est pas la facture elle est ici. La Invice Uncloned. Donc, la Invice, c'est au moins je travaille en. Je vous ai jamais dit dans quoi je travaille, mais je travaille en électronique. Et en anglais, l'invite c'est souvent le bon de livraison. Ah bah voilà, c'est ça. La pub 17,26, 17$. Magneto, cheating, je sais pas, ça veut dire quoi. 13, moins 7. J'ai eu 7€ de moins sur la. Sa livraison. 13€, select shipping method. 13€, j'ai payé, j'ai pas payé 13€ de frais de port en tout. Ah, mais là, c'est parce que c'est en États-Unis, moi sinon j'ai payé 15€. Là, c'est en dollars, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. En dollars. Sans tout, j'ai pas payé 23€, j'ai dû payer 15€ la pub. Donc ça vaut le coup, je vais les garder. Souvent, mes petites factures, je les garde toujours, puis je les mets dans un dossier. Donc ça, le carton, je pourrais le jeter, c'est le. L'Express, c'est comme la Poste, on va dire que c'est le papier de la Poste, un peu comme colis Poste, tout ça. Voilà, ça je vais le jeter, je vais pas le garder. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc c'était la vidéo présentation de la Funko Pop de Fairy Tail 68 Lucy. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis prochaine pour prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace. Take a body, go. Take a body, try.